sensibiliser les jeunes sur les opportunités que leur offre le gouvernement du président Patrice Talon à travers les différents mécanismes d'emploi mis en place pour réduire le taux de chômage. C'est la raison à l'origine de ce séminaire citoyen d'information initié par Oswald Apali, coordonnateur national du mouvement politique Talon doit réussir. On ne peut pas être heureux pendant que l'environnement qui nous entoure est malheureux. Le chef de l'État qui a mis les opportunités en place n'est pas toujours dispo pour communiquer. Donc nous jeunes, nous pouvons, si nous avons l'information, partager avec nos jeunes frères, même nos aînés. Nous ne resterons pas là sur l'organisation juste d'un séminaire d'information. On peut coacher ces jeunes-là à vraiment sortir de leurs difficultés de chômage. Moi, je suis jeune et je suis politique. Je suis de la 15e circonscription électorale et je vais aux élections prochaines. Au menu de ce rendez-vous d'information, plusieurs thèmes dont quelles solutions pour l'emploi des jeunes? Un sujet abordé par Maître Kainé Paulin-Aponan, expert comptable et président du parti, ensemble pour bâtir un Bénin nouveau. Le gouvernement a fait des investissements publics massifs, 2 500 milliards d'investissements en 2 ans, et dans des secteurs productifs, près de 1 000 milliards d'investissements publics, sur financement public, en 2 ans. Je crois que c'est un effort qui est à saluer et qui nous prépare à quelque chose. Ce quelque chose, ce sera les conditions favorables pour la création de l'emploi. Et majoritairement, les conditions favorables à la création de l'emploi, majoritairement en faveur de la jeunesse. Le dernier axe pour les politiques macroéconomiques, c'est l'amélioration des performances de l'éducation. Étaient de la partie les représentants du Fonds national pour la promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, d'une part, et de l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part. À tour de rôle, ils ont entretenu les jeunes sur les produits que proposent les institutions citées. Si vous venez à l'ANPE et qu'on vous donne la formation J'aime gérer mieux vos entreprises, qui se décompose en trois composantes, à travers trouver votre idée d'entreprise, créer votre entreprise et gérer votre entreprise. Il y a très prochainement, pendant les vacances de cette année, les ateliers de la démocratie qui vont être organisés par l'ambassade des États-Unis en relation avec l'ANPE. Un autre programme qui va commencer, je crois, en janvier 2019, c'est le programme Jeune leader de la francophonie avec l'Université de Moncton au Canada, qui va permettre la formation de 2 000 entrepreneurs pour la création de leur entreprise. Le FNPEJ, dont la mission est de faciliter l'accès des jeunes et des PME aux moyens et outils de production par le biais du crédit. C'est vous dire que quand un jeune sort avec une idée de projet et qu'il doit se rapprocher des structures de financement, les conditions qui sont posées pour pouvoir bénéficier du financement ne lui sont pas accessibles. Alors le FNPEJ a été une solution à ces défis-là, à ces problèmes que rencontrent les jeunes. Place a été donc faite à la communication du quartier Adjaboli, chef d'entreprise et président du Creuset Mutité, un mouvement politique qui prône la gestion de la cité autrement. Les échanges ont porté sur les potentiels blocages au développement d'une entreprise. Voilà, je me suis posé 10 questions sur mon idée d'entreprise. J'ai eu la réponse à 5 questions. Je n'ai pas la réponse aux 5 autres questions. Mais les questions sont quand même posées sur la table. J'ai quelques approches de réponse, mais j'avance quand même. Et le reste se construit autour. Parce que, à force de vouloir avoir toutes les réponses à toutes les questions, finalement, vous n'avancez pas. Je finis mes études, je rentre au pays. J'ai acheté une moto, Safrimo. Sanili était un peu plus cher que Safrimo, donc je ne pouvais pas. Et les gens rigolaient, on dit, mais lui, là, vraiment, un nouveau Tomek, regardez-le. Il est resté en France jusqu'à, il vient là. C'est Safrimo, il va acheter.
C'est très important. Il ne faut pas vivre pour les autres. Il faut vivre parce que vous avez un objectif, vous avez des objectifs à atteindre, vous avez des choses à construire. Et donc, vous êtes motivé par ces choses-là. Et non, pas les gens vont dire que je suis riche. Mais si les gens disent que tu es riche et que toi-même, tu n'as rien en poche, ça pose un problème. Il faut, mentalement, il faut être un peu fort. Et le courage vient de tout ça. C'est-à-dire que vous êtes courageux parce que vous posez des actes et malgré les commentaires ou comme les Ivoiriens disent, les papatoïsmes environnants, vous tenez bon parce que vous savez que voilà, il y a une feuille de route, il y a une trajectoire. C'est très important, c'est primordial sur tout le reste. Le mouvement politique citoyen Talent doit réussir apporte ainsi sa pierre à l'édifice pour la diminution du taux de chômage des jeunes. Oswald Akpali pose ainsi sa marque de leader de développement dans la 15e circonscription électorale.